Les amis, j'espère que ça va. Moi, je me suis réveillée à midi. Franchement, ça craint. J'ai raté le sport. Je suis en train de faire n'importe quoi. Je disais, j'adore ma vie en ce moment, mais je travaille pas assez. Enfin, je travaille, mais genre moins que d'habitude quand même, Johan. Ouais, un peu moins. Ouais, je travaille un peu moins. On va remettre dans le bain. C'est comme si j'avais pris des vacances, mais sauf que à moitié parce que je travaille quand même. Bref, mais je me détends un petit peu. Je sors, je me réveille tard. Mais en fait, c'est parce que la nuit dernière, j'ai pas beaucoup dormi. Du coup, ben là, je me suis endormie hyper tôt et je me suis laissée aller. Je me suis réveillée à midi. Donc, moi, dès le réveil, je vais chez Johan parce que j'ai toujours pas de machine à café. Donc, je vais me faire mon café chez Johan. Et du coup, je viens l'emmerder. Voilà. Trop beau ton t-shirt. Merci. J'aurais bien aimé avoir eu le drop, mais j'ai pas eu. Bah, fallait te connecter à la bonne heure. Et vu que t'as pas pensé à moi. Oui, c'est ça. L'assiette quand même. Mais saucisse oui. Et. Des brochettes de bœuf japonaises. Des brochettes de bœuf japonaises. Et avec mon petit café. Je racontais à Yo-Yo, vu qu'en ce moment, je vous ai dit hier que j'en avais plus rien à faire. De comment je mangeais, je fais de l'alimentation intuitive. Donc là, café, pomme grenaille. Non, en fait, je devais pas manger avec lui, mais il m'a servi. Il est en train de m'apprendre comment on regonfle des pneus. Ah ouais, non, mais là, et après, bah, on va aller faire un car wash parce que mes jantes, elles sont censées être grises claires. Et regardez comment elles sont. En plus, c'est les jantes AMG. Franchement, ça craint. Hein. Est-ce que tu penses qu'ici c'est un endroit convenable pour amener une fille en date? Grave. Columbus Café, la base. En plus on a une belle vue. Carrefour. La base Carrefour. Okay. Ça fait 4-5 jours, j'ai plus les goûts, j'ai plus les odeurs. Sens quand même, bébé. Ça me brûle. Ah ben non, ben rien. Ça sent rien. Non, rien du tout. Et puis t'es essoufflé. Hein. Ouais, et puis, dès et puis la fièvre. Beaucoup de fièvre. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je fais un concours. Il y a une photo dans mon feed où vous pouvez remporter un sac Jacquemus. Et en fait, c'est avec la marque Bidioza. Bidioza, c'est une marque de fringues, mais ils font aussi plein d'accessoires. Genre ce petit sac qui est vraiment incroyablement beau. Genre il a la petite chaînette comme ça. L'extérieur est comme ça, il est un petit peu drapé. Et en fait, l'intérieur, vraiment, il est hyper pratique parce qu'il est grand. Il est vraiment grand. Pour le coup, vous pouvez interchanger la chaînette. Donc ça, c'est cool parce qu'il y a deux chaînes qui sont dispo. Donc vous pouvez changer. Puis il y a plein de petites poches. Il est super grand, il est super beau. Et il y en a plein d'autres sur le site. Je vous laisse aussi le lien du site. Et je vous remets juste après la photo du concours parce que vous pouvez vraiment remporter un sac Jacquemus. Donc ça peut être plutôt sympa. Donc je vous remets la photo du concours après. En attendant, je vous laisse un petit code de moins 20% sur tout le site sans minimum d'achat que vous pouvez utiliser dès maintenant. Donc je vous mets le lien du site et avec mon code également juste après la petite photo concours. Vous avez juste à commenter pour y participer et peut-être éventuellement remporter un sac Jacquemus.